l'occhiarde, cette vieille fée électricité. Il ne faut pas croire, pour beaucoup dans nos campagnes, ça a été vécu comme un progrès quand on a pu la mettre dehors, devant la porte. L'idée que, comme ça, on faisait reculer un peu la nuit, que la modernité gagnait sur l'obscurité, ça vous faisait reculer les ténèbres. Et puis avec elle, tout leur cortège de bêtes maléficieuses. On n'avait plus peur de se faire sauter sur le dos par le labarou. Hein, le labarou est reparti loin. Puis le cortège de la chasse volante, du diable et de ses apparitions. Quiero sabato, au coquille. Toute notre mythologie nocturne, elle a disparu avec les réverbères. Et puis aussi, c'est la rançon aussi de la modernité. Avec cet imaginaire, a disparu aussi une bonne partie de nos observations nocturnes. Pas forcément utile. On garde celui-là et celui-ci. Voilà. C'est nécessaire. Oui. Donc on garde les deux là, oui. Et on enlève celui-là. Le parc naturel régional accompagne des communes en vue de réduire la pollution lumineuse et de favoriser la biodiversité nocturne. Et la plus-value aussi du projet Ma Commune la Nuit, c'est le volet concertation, puisque chaque commune invite ses habitants à participer à une concertation en vue de produire un programme nuit pour la commune, c'est-à-dire des actions qui favorisent la biodiversité nocturne dans la commune. Donc ce soir, on s'est donné rendez-vous à Marval. L'idée, c'était de déambuler dans le bourg de Marval avec les habitants et certains élus pour parler de l'éclairage public et en fait mieux comprendre, y a des lampadaires, ils sont allumés, mais ils servent à qui ? Parce que pourquoi rajouter un lampadaire qui resterait en permanence ? Surtout si près. Qui resterait parce qu'au final, sur certaines périodes, alors que les gens ils rentrent chez eux une fois par jour. Donc en fait, quand on regarde la question de l'éclairage, que ce soit de l'éclairage public ou privé, on pense que ça nous éclaire, mais on ne pense pas souvent que ça éclaire aussi le ciel et que donc ça crée une pollution lumineuse. Et donc le concept de pollution lumineuse, c'est relativement récent et ça vient étudier toutes les lumières qui sont artificielles et qui sont diffusées vers le ciel et en quoi est-ce qu'elles sont néfastes. Donc on parle bien de pollution parce que c'est créé par l'homme et ça a des impacts négatifs. Et puis ces impacts, ils peuvent être sur la biodiversité, ça peut être sur le fait de ne pas voir les étoiles, mais c'est aussi sur la santé humaine. Une proposition pour celui-là de plutôt l'éteindre. Hein. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ça mettrait peut-être plus en valeur l'église. Et on verrait mieux l'église. L'église. On voit en dialoguant avec les gens, en échangeant en fonction de leur histoire, de leur problématique, que petit à petit ils se rendent compte qu'en fait c'est pas en éteignant des lumières ou en les allumant qu'il va y avoir plus ou moins de problèmes de sécurité. Et que la problématique de l'éclairage public et de la lumière, c'est pas une problématique de sécurité, c'est une problématique d'environnement, une problématique de biodiversité. Ce soir, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens sont prêts à avancer sur le projet, ils sont prêts à éteindre des lumières, ils sont prêts à déplacer des lampadaires, à ce qui est du changement, et ils sont prêts à aller dans le sens du projet. Les élossus, elle est là-haut hein, qui virevolte, l'opisoreate, la chauve-souris. Alors voilà, ça c'est l'exemple type du petit animal chez nous qui, franchement, laissé assez indifférent. On n'est pas dans le pays des vampires ici. On ne va pas dire qu'elle avait un grand capital sympathie, mais franchement, les gens s'en souciaient peu des chauves-souris, elles n'effrayaient pas. D'autant plus que maintenant, on a beaucoup gagné dans la connaissance des chauves-souris. Il y a dans leurs zins qu'elles sont malingues. Par exemple, à Fregio, à Saint-Pierre-de-Frugy, là-bas, ils sont même très pointus sur le sujet. Ils étudient le petit rhinolof et tout et compagnie. Ils sont pointus. Chaque commune a choisi une espèce emblématique autour de laquelle il y a des animations, des inventaires participatifs. On décline sur la commune de Saint-Pierre-Frugy la thématique sur le petit rhinolof. Et du coup, plus largement sur les chauves-souris. Puisque les chauves-souris, c'est des animaux nocturnes que l'on ne voit pas. Par contre, on les entend avec des appareils spéciaux. Et l'idée de ce soir, c'est de former un petit peu les gens pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les chauves-souris la nuit, comment elles se déplacent. Et puis, du coup, de nuit, aller avec des appareils, des détecteurs d'ultrasons, écouter les chauves-souris ensemble.
Il y a quelque chose ? Oui, je crois. Ouais. Les rhinolophes, c'est vraiment des espèces où tu vas les capter jusqu'à 25 mètres, mais pas plus loin. Par exemple, s'il y a un rhinolophe qui sort du bâtiment et qu'on est à 40 mètres, on va peut-être le voir parce qu'il fait encore un peu jour, mais par contre, on ne le captera pas, même s'il émet. Et plus généralement, ça permet de travailler sur ce qu'on appelle la trame noire, c'est-à-dire un petit peu tous les animaux nocturnes qui vivent autour de nous et qui sont de plus en plus gênés par tout ce qui est éclairage lumineux, éclairage dans les villes. Sur cette zone, on voit encore mieux les éclairages, qu'ils soient proches ou lointains, proches puisqu'on a les éclairages encore de la ville. Et on s'aperçoit nettement que l'on ne voit aucune étoile. Une qui brille peut-être derrière une feuille, ou peut-être un avion qui passe. Un peu plus haut, on va commencer à voir les étoiles, effectivement, la grande ours et peut-être la polaire. Mais tout sur ce qui est sur l'horizon, on ne voit rien. On ne voit pas d'étoiles. Non, ça veut dire que là, en fait, on est en plein temps de brouillard. Non ? Non, il fait beau, alors c'est dommage. Voilà. Et sachant qu'on ne peut pas considérer qu'on a éclairé inconsidérément. Quand même. Non, en allant dans le secteur qui est plus éclairé, on s'aperçoit que le ciel, déjà simplement, même qu'il y a encore des lumières derrière nous, il a beaucoup plus d'étoiles. Oui. C'est Saturne et Jupiter se lèvent un tout petit peu plus tard. Donc c'est Cassiopée, vous voyez le W là, non ? Ouais. Oh, c'est vraiment beau. De plus en plus d'étoiles, en fait. Oui, c'est ça, ça apparaît au fur et à mesure. Ouais. Plus on regarde et plus on voit. Oui, mais parce que l'œil s'habitue de plus en plus. Et tout à l'heure, la Voie lactée, on aura presque l'impression de ce qui est dessus. Non, mais franchement, à l'heure où on a tant d'enjeux qui nous pèsent sur les épaules, des enjeux climatiques, des enjeux de biodiversité, avoir le plaisir comme ça, à peu de frais, c'est rien, quoi. On tourne un petit bouton, là, un temps, plut, caïnouet. Ça y est, on redécouvre un espace naturel, on vient de le reconquérir. Enfin, c'est un luxe dont on aurait tort de se priver, franchement. Et puis le plaza de tourner des cubrils ou lunous, de revoir nos lunous là-haut, au-dessus de nos nez, là, levés, et puis d'en trouver des nouveaux, parce qu'à chaque fois, il y en a des nouveaux. C'est forcé, dès qu'on n'avait pas vu, hein, t'es que là, que qui.